Hello tout le monde. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi, les gars. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on a un long week-end. Bon, il y a William qui était là. Je sais pas si... William, t'as pas... Va laver ta bouche. Va laver ta bouche. En plus, t'as déjà pris ton lait. Mais pourquoi il y a des trucs... Aujourd'hui, c'est la levée de corps de notre tante, ma Marie-Jo. Et malheureusement, moi, je suis invitée à un mariage où je suis témoin. Donc, je vais aller avec tata Néné. Non, Yannick, il vient plus. Non, il ne m'a pas confirmé. Enfin, il devait me confirmer hier. Parce qu'en fait, si vous voulez, on avait un problème de voiture. On a une voiture, mais on est 6. 6 avec Bradley. Parce qu'il n'y a personne pour garder Bradley. Ouais, donc il n'y a que 4 places. Une fois que j'ai déjà occupé une, Bradley occupe une, bah, il reste 3 du coup. Voilà. Donc on va se préparer tout à l'heure. On attend que Bradley se réveille parce que je dois aller livrer les colis chez une cliente qui m'a appelé tout à l'heure. Je fais également les dépôts de colis, mais je ne sais pas, je crois que je vais faire ça l'après-midi. Après, je me cherche des accessoires parce que j'en ai pas pour le mariage. Ah oui, mince, on doit laver la voiture. Et après, on met le carburant. Et je n'ai même pas encore fait ma valise, mais bon, c'est un week-end de mariage. Je ne vais pas mettre des vêtements de fou. Je crois que je vais mettre des trucs assez relax, histoire d'être à l'aise. Et oui, je dois aussi conduire pendant 3h30. Et c'est pour ça que je voulais que mon frère soit là, mais malheureusement, il ne peut pas être. Donc, je vais conduire seule pendant 3 heures parce qu'Yvonne n'a pas de permis, Anne-Marie n'a pas de permis, Tata Néné n'a pas de permis. Même si tu venais, tu pouvais conduire. Regarde-moi lui avec ses petits muscles. La prof, le mari d'être gagou. Bébé! On s'est arrêté 2 secondes. Coucou, mon bébé! Bradley, il faut appuyer sur le bouton. Anne-Marie, on va courir, on va lui faire appuyer sur le bouton, comme ça il va monter. Bravo mon bébé, c'est bien. Namo. 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 Dormez-vous. Ok, là c'est moi qui prends la caméra. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait ce matin et qu'on est un peu à la bourre. On a quitté la maison à 14h, je crois. Non. Ouais. 13h. 13h. Ouais. On arrive, le manège qu'on devait faire avec Bradley et Villan, il était fermé, donc on a dû faire un peu les tours. Et elle devait vendre des habits aux dames qu'elle a fait. Ils sont un peu arrivés en retard, donc ça nous a un peu mis un peu en retard et on n'a pas eu. Donc là, on n'a pas minimisé notre temps. Donc là, on cherche, on a trouvé. Les robes. Il fallait trouver une robe pour Tata Néné parce que chez Strong by Ruby, il n'y avait plus ses tailles. Moi également, il n'y avait plus mes tailles. Moi, je suis dans le L, j'ai plus de taille L. Toutes les L ont été vendues. Tata Néné met le L, elle n'a pas de L. Yvan aussi, elle met le L. Il n'y avait plus de robes en L. Donc il fallait trouver des robes assez rapidement sur Rouen. Et Rouen, c'est une ville où il n'y a pas grand-chose. Mais heureusement, on a trouvé un petit magasin. Ouais. Donc là, il manque juste l'habit à Bradley. Oui. Et là, on roule vite. Pour. Après, il faut qu'on dépose Willan. On espère que Loïc sera là. C'est le stress. Je suis tout stressée. En plus, on doit laver la voiture et mettre l'essence et repartir à... Non, plutôt repartir à la maison, prendre nos valises et mettre... Non, on a vraiment trop de choses à faire. Ouais. Et il faut venir tout ça à 17h15. Ouais. Et là, il est 16h. Il est 16h04. Donc, bref, on verra bien. Ça, c'est à cause de toi, maman. Moi, je deviens en retard à cause de toi. Anne-Marie. À chaque fois, je suis là, je suis à l'heure et tout. Mais j'ai pris l'habitude avec toi de venir en retard.
Moi, mes amis disent, mais Anne-Marie, tu vas trop en retard. Je te jure, Anne-Marie, tu me dis mes vérités là. Donc, tu veux dire que j'ai teint sur toi. Voilà. Bon, écoute, je vais essayer de faire un effort juste pour toi, je ferai ça. Ok. Je promets. Promets, promets. Bon. Ça sera compliqué, mais bon. Voilà. Donc là, on vous dit après quand on a fini nos choses et donc on se dit à tout à l'heure. Pas tout à l'heure, là, regardez, je suis remplie devant ici. Donc là, On a trouvé l'habillement de bracelet et quelques bijoux. Donc on est un peu dans les temps, je crois. Ouais, je sais pas, je vais regarder l'heure. Il faut juste la voiture, on met l'essence et c'est bon. Et on la lave un peu. Hein? On la lave un peu. Donc là, on dépose les lames. Salut Marie. Marie va déposer. Là, on a moins de 30-20 minutes pour faire tout ce qu'on a. Il manque. On va pas vraiment laver la voiture, mais on va aspirer la voiture pour faire un peu d'ordre. On doit aller chercher nos valises et Ivan. Savoir que c'est Ivan qui va maquiller la mariée. Et c'est elle qui est censée aussi la coiffer en fait. Enfin, du moins, c'est ce qui est convenu. Après, je sais pas s'il y a eu un changement de plan. Donc évidemment, je ne sais pas si je vous ai dit, mais la mariée, c'est ma copine. C'est Ingrid qui se marie. Ah, Yvonne met la gomme là pour vous dire que Yvonne ne conduit pas comme ça. Je suis obligée d'aller un peu vite. Donc là, je vous prends après, donc à part. Là, Yvonne, elle lave la voiture, donc je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a Bradley qui mange son petit cookie. Psst, désolée, je suis un peu trop proche. Donc, c'est... Oh, Marie! Oui. Il dit mon nom déjà. Je suis trop contente. Dis Anne-Marie, encore. Anne-Marie. Ah bah non, là il veut pas. Bon, on se retrouve après. Parti pour 3 heures de route. Donc comme vous avez pu le remarquer, donc là il y a Tata Néné qui nous a rejoint. Ivan qui nous a rejoint. Anne-Marie finalement qui est derrière. Donc on est parti, on est en train d'aller... en Bretagne. Ah, voilà. C'est en Bretagne. Ouais, c'est en Bretagne. Donc, direction Caen. Caen, hein. C'est là. Okay. On traite la route. De toutes les façons, on y va. Tu es en Bretagne? Oui. Ah bon? À Fougères. Fougères, c'est là. Oui, c'est là-bas en Bretagne. Ah, je connais même pas. Là, on passe par Caen. C'est pour ça le premier c'est quand péage vous êtes parti à Caen. Quand vous êtes parti à la Réunion? Non, c'était pas la Réunion. Mais Mickey, à Réunion, à Rennes. À Reims. Reims. J'ai du mal. Reims, c'est Reims pour moi. C'est deux choses. Ouais. Bradley, ici. Maman. Regarde-moi lui. Bon les gars, là on vient de s'arrêter, on est hyper fatigué. Je suis en train de faire des petits mouvements, je viens de conduire presque 2 heures. Ouais, presque 2 heures. Et on est en train de faire des petits exercices. Et Anne-Marie, je vais vous montrer qui n'en peut plus. Tata Néné aussi, qui n'en peut plus, qui a sommeil en plus depuis. Elle travaille avec les enfants, donc c'est pas évident pour elle. Ouh. J'ai mal aux pieds. Et en plus, il n'y a personne qui conduit là, donc obligé de conduire jusqu'à la fin, quoi. Petite fille, oui. Tu as mal aux pieds. Oui. Tu fais des étirements. Mm-hmm. Courage, petite fille. Ivan qui est au bout de sa vie. Tu sais qu'elle écoute les musiques tristes. Tu écoutes les musiques tristes? Non, je fais juste de la musique. C'est Anne-Marie qui dit tu écoutes les musiques tristes. Le boîte les qui prend son bibi. Ma nénée a déjà pris la couette. Maman, l'aventurier. Anne-Marie, c'est toi qu'on attend. Hein? Okay, on y va. Toi, tu fais quel échauffement? Tu ne conduis pas. Longo, vraiment. Tu as quoi? Bon, les amis, nous sommes arrivés. Ben, l'hôtel est là. On a fait une réservation. Enfin, c'est mon frère qui a fait ça hier parce que je n'avais pas le temps. Malheureusement. Donc là, il faut que je m'assure. Attends, ils m'ont donné le code. Je vais taper. C'est bon. J'ai réussi à ouvrir la porte. Je crois que c'est ma clé. Attends.
pas du luxe. Parce que... Bradley, tu racontes quoi là-bas? Hein? Oui. Tu dis quoi? Tu m'appelles. Amaï? L'aventurier? Amaï? Namo? Anne-Marie? Tu t'occupes de ton fils? Non, toi tu veux pouvoir aller dormir. Hein. Moi je vais aller la voir. Enfin, si elle est réveillée, je vais demander, je vais lui dire combien d'arriver. Découverte de la chambre. Ça va? De toute façon, ils l'ont dit hein, que c'était pas du luxe. Mais c'est bon. Mais une télé. En même temps, c'est un petit village. Hein. Bon, c'est pas le grand luxe, mais voilà, c'est déjà ça. Ça va, Anne-Marie? Il reste une valise? Il reste une valise? Non, c'est bon, je te prie. Brett là a commencé à éteindre la lumière. Où est la lumière? Tu arrêtes. Si on dort, si je dors là-bas, je suis trop costaud pour dormir avec toi. Donc voilà. Non, quand même, je dors avec toi. Je dis, je suis trop costaud pour dormir avec toi. Le pont d'Ajou. Non, j'ai dit qu'on dort avec Matley. Le pont de quoi? Nous deux. Allez, bon, nous avons deux. Okay. Donc, tu n'as pas suivi quand j'ai dit. Tu dois avoir mamie. Lui, il est. Regarde, il est content. Aventurier. Aïe. Tatane. Il venait là. Ah, ben oui, il est heureux. Il a les quatre. Boîte-les. C'est à qui la perruque qui est par terre là? Mais c'est ma perruque. Boîte-les. Hé hey, Seigneur. En plus c'est chatte. Va te coucher. Les amis, regardez, je suis où? Je commence à prendre. Enfin, comme je vous ai dit, c'est mon frère qui nous a regardé cette chambre d'hôtel parce qu'il n'y avait que les Airbnb, il n'y avait pas les hôtels à côté. Et là, mon frère, il nous trouve cette chambre d'hôtel. Bon, moi, à la dernière minute, je n'ai pas le temps. J'ai dit, OK, on prend. Parce que franchement, j'avais la flemme d'aller sur Booking, regarder tout ça. Et surtout, j'avais peur de prendre un hôtel qui allait être loin de la salle, de la mairie, etc. Vous connaissez mes affaires de retard. Et là, tout à l'heure, j'appelle la mariée. Je commence à lui dire, ouais, tu arrives quand et tout. Enfin, t'es où? Parce qu'on est arrivé, il était minuit. J'ai dit, je viens te retrouver dans la salle. Elle m'a dit, non, c'est pas, t'as pas besoin et tout. Je suis rentrée à la maison et tout ça. J'ai dit, chez ta mère, parce qu'elle a fait le truc chez sa mère et tout ça. Elle m'a dit, oui. Et après, je pars aussi à mon hôtel. J'ai dit, d'accord, ben, on se verra demain. Parce que c'est ma soeur qui va la maquiller et tout ça. J'ai dit, on se verra demain parce que je vais ramener ma soeur. Elle me dit, d'accord. Et je lui dis, ton hôtel, il est où? Comme ça, au moins, je regarde, je commence à mettre des trucs et tout ça. Elle me sort quoi? C'est Dajou, je ne sais pas quoi. J'ai dit, attends, c'est comme si je reconnais le mot. Anne-Marie me dit, bah, c'est dans notre hôtel. J'ai dit, bah non, elle n'est pas ici. Eh bah oui, elle est ici. Et du coup, je dors avec la mariée. Ingrid, sur les réseaux sociaux, Ingrid, tout court. La mariée. Donc du coup, son mari va dormir ailleurs. Lui, il a pris un hôtel. En plus, l'hôtel de son mari est chic. Hein? Quand je dis à son mari, pourquoi ton hôtel est chic? Et puis, pour ta femme, elle est comme ça. Elle dit, c'est elle. Elle ne voulait pas aller là-bas. Je la connais. Elle ne s'est pas dit que je la connais, la fille. C'est... Elle est toujours qui dit, non, je veux faire simple. Je veux faire simple. Donc là, je vais dormir avec la mariée. L'ancien du mariage, touche-moi. En plus, c'est la première fois qu'on va dormir ensemble. Non, quand tu viens, quel hôtel? Dans un hôtel, on dort ensemble. Oui, mais c'est la première fois qu'on dort sur le même lit. Parce qu'à chaque fois, quand tu viens à la maison, tu avais la chambre d'amis. Oui, c'est vrai. Tu dormais dans la chambre d'amis. Et quand, mais maintenant, quand tu viens toujours, tu fuis souvent ma chambre, tu peux dormir avec Evan. Elle peut faire dormir avec ma petite soeur. Donc, c'est la première fois qu'on on va dormir collé. Dès d'abord, je vais poser la question, tu ronfles. Dormir collé serré, entièrement les vies des jeunes filles. Elle dit que
Et on va dans trouver une chambre d'hôtel. Viens, viens, t'amène dehors. Moi, j'ai un peu les gars. Tu fais la dernière bêtise. Après, tu pourras plus tromper. C'est le moment. Et ça, quand son gars va regarder la vidéo. C'est Yvonne. Si tu regardes la vidéo, là, c'est elle qui m'entraîne. Qui... Viens, viens. Wesh, c'est rien. Il ne saura pas, wesh. Bon, les amis, on s'est dit à demain. Donc, on va dormir. Bonne nuit. Beau comme ça. On peut avoir un beau bébé comme ça. Tu avais mieux ça aussi. Oui. Bon, les amis, on s'est réveillés là. Comme je vous ai dit, sa chambre est juste ici en face. Donc, on est vraiment à côté, quoi. Comme je sais pas si je l'ai dit dans la voiture qu'il fallait la maquiller et on devait aller à son hôtel. Non, c'est même pas là où son hôtel était en fait. Au final, c'est ici. Donc là, on est en train de se préparer pour sortir. On va aller à quoi? Nose. On va acheter. Là, mon bel est chaussure. On va chercher les tongs. On va chercher à manger surtout parce que depuis hier, on a faim. Bon, on a mangé un peu. Moi là où je suis là, j'ai mangé un bon. Non, c'est parce que j'ai vu tout à l'heure dans le. Non, je veux là, je veux un bon kebab. Je veux une petite salade. Après, alors là, Ingrid, pardon. Parce que là, je vais lui mettre des chaussures, l'enlever encore. Oh. Après, c'est de quoi tu me fatigues. Namou, tu arrêtes. Tu veux lui dire. Et les gars, c'est un petit village. Un autre hôtel, il est là. C'est le plus luxueux du village avec un étoile. On est en train d'aller à la poste. Je m'en vais déposer les colis des clientes que je n'ai pas pu envoyer hier parce que j'ai pas eu le temps en rentrant en fait. Enfin, pas en rentrant, je veux dire le soir après qu'on ait fait tout ce que vous nous avez vu faire. J'ai eu encore des commandes. Et comme je n'aime pas cumuler les commandes des clientes, j'ai décidé que je vais ramener ça ici. Donc il y a 7 colis en fait que je vais aller envoyer. Eh oui, même quand on se déplace, on travaille. Vous voyez comment ils souffrent pour vous. On va dire oui, pas aussi mon colis. Tu te balades. Si vous pouvez m'envoyer les colis depuis Porto, j'allais le faire. Hein. Mais bon, comme on est en France, ça va. Ça fait que je peux envoyer les colis ici. La future mariée. La mariée. Le mariage de ça. Ah oui, c'est un mariage camerounais, gabonais. Franchement, il fait frais. Hein. Il fait beau, j'aime bien le temps. Je crois que eux, ils n'ont jamais vu autant de couleurs. Vous savez, les petits villages, comme ça, il n'y a pas trop les noirs. Il ne faut pas qu'on ait des crises cardiaques. Hein? Pourquoi les gens là sont habillés en noir, comme ça? Il y a beaucoup de vues. Ah, c'est les pompes funèbres, ouais, qui reposent en fait. Tu as dit que nous sommes en face de l'hôtel. Non, pas nous. Non, l'hôtel est là-bas. Là, on est en train d'aller là, ça, à la poste. Et nous tous, on est en train de marcher comme des moutons. C'est même pas là où c'est. On a dit qu'à côté de l'aiguille, bon, il y a deux. On est à la recherche de la poste. Elle t'a indiqué? Oui. Elle n'a dit pas du droit, alors de droite. Ouais, c'est ce que nous voulons faire. Elle a dit qu'elle ne sait pas si c'est. La franchement, il faut qu'il pense à un tour de. Après le mariage, tu ne peux pas beaucoup de voir. Hein. Non, il n'y a pas. Parce que surtout que les convictions que Dieu m'a tu vas voir, tu ne pourras pas. Je vais supporter. Tu ne pourras pas compter. Tu vas faire l'amour en toute légalité. Voilà, et devant Dieu, devant les hommes. Savez, ce soir, tu vas faire l'amour, tout le monde le oui, sait. Oui, oui, oui. Non, pas forcément. On peut être si. En fait, non, tout le lendemain. Non, tout le monde fait le soir du mariage. Mais là, on est fatigué. Avant d'aller à la soirée, il faut faire. Tu le galopes, on consomme. Tu le galopes, tu lui fais un petit coup rapide.
petit coup rapide. Tu connais ça. Ingrid, donc tu vas faire. Il me demande si je connais ça. Je ne connais pas ça, pourquoi. Petit coup rapide, avant minuit, vous faites tchac tchac. Tu sais, il veut quoi? Hier, je vais dans la chambre à Ivan et je vois là, avec son copain, ils sont couchés, j'ai failli vomir. Merde! Imaginez comment ça, un copain, ça me. Ah! C'est mignon ça. Je te jure, j'avais déjà pris Oula, mais on habite à la même maison, on va porter. Attends d'abord. C'est du 32 en plus. Je n'entre pas dedans. Elle m'a refait voir. En fait, on est dans un petit magasin qu'on appelle Nose. Oh lolo, lolo. Attends. Allez, discutez. Moi, je prends ça. Ah ouais, non. C'est vraiment mauvais. Hein. Et comme par exemple, mon gros pied n'a pas de pied. Ah bah, ça, c'est bon. Fais voir, fais voir. Ça, ouais. Ça, c'est bon. Oui. Et vas-y. Ah, c'est beau. Bon les amis, on sort du tacos, voilà. On s'est pris des sandwichs et direction l'hôtel. Mais vous faites quoi? Mais c'est bras. Mais Seigneur, c'est quoi cette famille? Non mais pourquoi t'es par terre? Bon là on va passer au maquillage, coiffure et tout. Oui. Est-ce que vous pouvez me faire un bon Monaco s'il vous plaît? En Monaco. Oui, s'il vous plaît. Regardez, il fait quoi? Regardez. Regardez. Braclé, c'est pas drôle. Sors de là. Sors de là. Purée. Braclé, sors de. Mais. Et en plus, c'est suffi. Le truc, il est tellement petit. Sors de là. Yeah, mané. C'est beaucoup. Ah oui, j'ai vraiment envie de. On a vite mangé là. Ah oui. Bah, de toute façon, c'est toi qui maquille et coiffe. Donc, moi, t'es sort de là. Ingrid, t'es prête? La température monte. Le stress monte. Je n'ai pas cristallisé. Merci, maman. Je trouve que ça me fait vous. Ça, c'est salé. Quoi? C'est salé. Moi, il n'y a pas de problème. Au mariage d'Ingrid. Au mariage d'Ingrid. Bon mariage. Que l'ancien du mariage nous habite. Bon mariage. Le prochain tour, c'est ma néné. Non, c'est Yvonne. Après, c'est... pourquoi moi? Bon mariage d'Ingrid. Bon mariage. Bon mariage. C'est Ingrid qui a poussé. Tout le monde est mariée qui devait ouvrir le ballon et l'argent. C'est longtemps qu'ils sont ensemble. Hein. 7 ans, 8 ans, 9 en fait 9 ans en novembre. Si vous avez votre enfant devrait être même aller au lycée. Non. Non, Ingrid ne voulait pas accoucher tout de suite. On voulait le temps. Il faut qu'elle te fasse quelque chose de bizarre. Pour que ton mari fasse boum, tu vas t'asseoir comme ça, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Si elle est obligée. Parle avec elle quand même. Tu sais pas ce qu'elle veut faire aujourd'hui. On te laissait d'abord dormir. Ouais. Tu ne savais pas. Laisse ce qu'elle veut faire aujourd'hui. Je vais porter les poches à terre pour les soutiens d'abord chez vous. Ta mère sera choquée. T'as peur. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Mané? Pour qu'Ingrid s'assoie comme ça, elle me dit hey, je sais pas, j'arrive pas à quoi qu'ils vont m'en faire ça. Tu veux que je regarde hey, on va aller en Oyanga. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu filmer quand elle se maquillait parce que c'était. Voilà, le temps était beau, mais elle était magnifique. C'est ma petite soeur qui l'a coiffée et qui l'avait maquillée. On est arrivé à la mairie avec un tout petit peu de retard, mais par la grâce de Dieu, ça va, c'était pas non plus énorme. Bah, les filles d'honneur, elles étaient très magnifiques. À côté d'elle, là, c'est son papa. Et puis, bah, elle était toute contente, elle n'arrêtait pas de sourire. Et moi, ça me faisait plaisir parce que, oui, en effet, j'étais le témoin de la mariée. Et vraiment, bah, une place assez importante quand même pour quand tu vois un mariage, quoi, ça fait plaisir. C'est un mariage très très simple, un mariage d'amour entre un Gabonais et une Camerounaise. C'était vraiment trop beau, les gens ils étaient accueillants. Bref, j'ai vraiment aimé être là ce jour-là.
Oui, je le veux. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Là, on passe à la signature. Donc, on a commencé par le témoin. En plus, le témoin n'était pas mal. Hein. Mais bon, je crois qu'il était un peu... C'est pas grave. Donc, c'est mon tour. Hein. Il fallait que je signe, etc. J'étais trop contente de le faire parce que voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je me rappelle encore lorsque j'avais perdu ma bourse en étant étudiant, tu me rappelais certaines choses. Tu me disais que mon amour, je suis là pour toi, je te soutiens, je vais toujours te soutenir. Parfois, je n'avais rien à manger. Tu m'appelais, amour, je t'envoie 50 euros, tiens, tu vas faire un peu de pause parce qu'un homme ne veut pas rester sans manger. Je confie. Mon amour, voilà, 100 euros, tu as complété pour payer ton loyer. Voilà, 200 euros, complète envoyé. Pour tout cela, mon amour, je suis très reconnaissant. Je te dis merci, je remercie mes parents, mais aussi je remercie ta famille. Je te mets cette bague en l'honneur de mon amour. Donc là, les mariés sont en train de prendre des photos. Oh, ils sont magnifiques. Non, fais d'abord ta fille d'honneur. Voilà. Déjà ça, et après, voilà. Après les témoins. Voilà. Il y en a qui peuvent se mettre. Oui, voilà. C'est ça. D'autres filles, une autre fille ici là. Vous oubliez mes garçons, pourquoi? Ils vont venir. Vous faites d'abord. Non, on va faire après. D'abord les filles. Après, on va faire avec tout le monde. Voilà, parfait. Quand tu te mets ici. Ingrid, regarde l'objectif. Oui. C'est bon? Voilà, il faut reculer alors. Ne reculez pas, vous tombez là-bas, c'est interdit. Voilà, et c'est pas un pied comme elle là. La France. On va te laisser faire un copain et le copain ne veut pas trop qu'il soit pote en fait. Bon ben, on va te laisser cuire un raton. Anne-Marie va avoir un copain. C'est lui. Allez, ça y est. Déjà que c'est Anne-Marie qui a attrapé la fleur hier. Elle danse comment? Anne-Marie a déjà le copain. Elle faisait ça. Comme quand elle aime la chanson. Oui, elle se lève. Ah, attends. Je comprends pourquoi elle danse comme ça hier. Comme ça. Oh, c'est laid! Je l'ai vu. Après, je vais manger. Après, Anne-Marie va chercher le rappeler. Maman! Si elle regarde sa télé, est-ce qu'il nous gêne?
Bon les amis, on s'est arrêté sur une aide au repos. Ça fait même pas longtemps qu'on a pris la route. J'ai pas pu vlogger vraiment tout parce qu'après on était hyper fatigués. Comme vous le savez, alors il y a les chansons de Bradley qui sont en train de chanter là, ça va me démonétiser avec ces choses de chansons de bébé là. Déjà qui ramassent déjà tout l'argent sur YouTube. Franchement, les gens qui font les vidéos des bébés là, vous avez l'argent, ils font nous dire ce que vous faites. Bref, on s'est arrêté sur une aide de repos. J'ai pas pu vlogger hier parce que franchement, j'étais hyper fatiguée. Comme je vous l'avais dit, ma tante est on a enterré ma tante hier au même moment où ma copine se mariait. Donc, j'ai essayé d'être présente, mais c'est vrai que pour ce qui est de l'ambiance, mettre l'ambiance, être au top de ma forme, ça n'allait pas vraiment. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de joyeuse, j'aime bien mettre l'ambiance quand je suis quelque part. Mais c'est vrai que hier, c'était un peu chaud. Ah tiens, nos chiens sont en train de partir, regardez comment ils sont mignons. Oh, il est trop beau celui-là. Trop beau. Au revoir les chiens. Ah, c'est quoi leur nom? Raphaël et qui? Yuma. Ah, c'est mignon comme prénom. Au revoir, on vous verra sur YouTube. Au revoir. Ils sont trop mignons les chiens. En plus, ils ont joué tout à l'heure avec Bradley. J'ai même pas pu filmer ça. Bradley était bien content de les voir. Bref, donc là, on s'est arrêté sur une heure de repos. On est hyper fatigué, mais voilà, je vais vous filmer aussi quand on va arriver, s'il y a encore du repos. Bref, c'était vraiment un long week-end. Mais voilà, donc là on va manger. Je vous montre ce qu'on a pris. Voilà. Anne-Marie a pris saumon. Moi j'ai pris margarine. Yvonne a pris saumon. Pas de bolognaise. Non, c'est carbo. Ah, ils m'ont mis ça en plus. Oui. Ça là, non pas l'œuf, ça. Le parmesan. Oui, non pas le parmesan, non, je parle de ça. Non, ça c'est pas les lardons, c'est quoi ça? Le bacon. Le bacon, ouais, je savais pas qu'ils allaient mettre des bacon, c'est trop bon. Anne-Marie, est-ce que t'as pris? C'est bon. Non, et pas des amazes, la paix, votre truc, c'est pas bon. Anne-Marie. Bon bah c'est parti pour manger. Bradley, tu manges? Bah fais la poule. Ça a l'air bon. C'est quoi? Ah! Ah! Tu sais que c'est à cause de ça que j'ai la phobie de boire les fonds de verre. Je te jure que je t'aime. Lui aussi. Il y a plein de mouches ici. Ah bon? Tu veux? Ah, purée! Il y a les mouches. Ils ont raté. Tiens. Ça, c'est tellement. Tiens. Un peu acide là. C'est pas bon. Moi, j'aime mon plat. Tu vois mon plat? Bah, ça me dérange pas. Ouais. Moi, je vais pas finir mon plat. Hein. Je vais jamais le finir. Si, c'est bon. Bah, oui, c'est bon. Mon plat, tu veux goûter? Sachant qu'en goûtant mon plat, je goûte aussi le tien. T'aimes bien? C'est bon? Mais mieux que ta pizza? Oh, putain, les mouches là! Hé, hey, Seigneur! Calmez-vous, calmez-vous, salut Martine, salut Martine, ding ding dong.